Salut. Salut Mysterix, salut Nero. Bon. Ah, je scintille. Scintille toujours. Je sais pas pourquoi, la webcam elle me fait des faces comme ça maintenant. Elle aime bien. Ouais, bon, j'ai changé l'emplacement de la lampe parce que avec la grosse lumière qui me tapait dans la gueule, ça me fatiguait les yeux en fait, je crois. Ou alors c'est le fait que j'ai joué à des jeux haut en couleur récemment et que forcément, bon, bah, ça te pète la rétine au bout d'un moment. Bien mis plus ou moins. Et on va... Mode tiers, oh, c'est quoi ça? C'est le multi. Allez, viens mon lapin. Généralement, en fait, j'ai une blinde de jeux avec du multi. J'ai jamais joué au multi. Ils sont marrants également. Le jeudi de la semaine, avant la semaine passée, je m'étais blessé à l'œil au travail. Je suis allé aux urgences le jour après parce que ça n'allait toujours pas. J'ai donné les papiers, tous les papiers de du travail, de l'assurance, tout ça. Et aujourd'hui, je reçois un papier de l'hôpital qui me dit: vous n'avez pas fourni toutes les données de l'incident, alors que je leur ai donné le rapport d'incident. Vous n'avez pas fourni les informations du travail, alors que je leur ai donné le papier que le travail m'a donné, reprenant toutes les informations pour l'assurance et tout ce qu'il faut. Et ils me disent: vous avez 8 jours pour répondre, ils l'ont envoyé le 16, je le reçois le 21. C'est des enculés. Mais à mon avis, les documents que j'ai rendus à mon employeur après justement la visite à l'hôpital n'ont pas encore été traités et je reçois les documents maintenant, quoi. Mais entre-temps, eux, ils ont peut-être reçu les documents de mon employeur. Mais bon, quoi. Et quoi, je vais remplir ceux-là et ils vont me faire payer, et mon employeur aura aussi payé, donc en fin de compte, ils auront été payés deux fois. Attention quand même. Non, je sais pas.
Faudrait que je vois ça, ça me fait juste caler, quoi. Salamuna. Salam. Doi pohigi chimong dal to you? Na, taliban de zaino pashyak shambewulot. Ha. Did you come here con uni postishari? Na, everything cool here, my man. Cigarette? Na, manana. Bro. Bro. Super convaincu. Ouais, tout est à fond, faut pas oublier que c'est un jeu de 2010. Et là encore, c'est une cinématique. Attendez. Ouais, par rapport aux vidéos, c'est normal. Pourtant, les vidéos, je crois qu'elles étaient en... T'as bien sauvé ta pauvre... En 720. Et ce gars était à deux doigts de se faire trouer la sienne. Mother, on va rester à 4 véhicules d'écart. Ce gars a dit que... Et ouais, à l'époque, je crois pas que mon PC le faisait tourner absolument tout en full. T'es sûr que Tariq a les infos? L'anglais pense que oui. Il sait quelque chose, sinon il n'y aurait pas tant de sécurité. On va à gauche. Putain, c'est quoi? Bodo, on a de la compagnie. C'est qui ces gars, putain? Le toit, à 12h, un ennemi. La fenêtre à 11h, deux. Mother, il y a un véhicule qui nous bloque par l'arrière. Compris. Des Tchétchènes, merde. Ouais, la qualité max est en 480, donc forcément que ça a l'air plus propre. Hein. Ah ouais, c'était... Ouais, oui, en plus je l'avais fait sur... Sur Dailymotion. Vu que c'est un que j'ai reposté après. Ouais, donc ça date encore plus... Encore plus loin, quoi. Ça fait plus que 7 mois, ça ferait au moins 9 ans, je pense. Hein. Je dois voir... Ouais, j'ai pas mes disques durs ici, mais je dois la voir sur un disque dur. L'original, elle date sûrement de 2010. Je crois que je l'avais fait peu de temps après sa sortie, celui-là. Ah ouais, c'était... Je crois que j'étais encore sur Dailymotion à l'époque. Ah, merde. Oh, la sensi. Ah, oh, ça va pas aller ça! Oh mon dieu! Exactement! Non, mais... C'est loin! Putain, pour vous dire, la sensi. Ouais, bah il fallait que je la règle. Elle est au minimum! Elle est au minimum! Je fais normalement! Là, je vais utiliser l'entièreté de mon tapis. D'habitude, avec l'entièreté de mon tapis, je fais à peu près 190-200 degrés. Je fais 720. Je fais 720 degrés. Je fais deux tours sur moi-même, alors que d'habitude, avec la même... La même taille de tapis, je fais 190. Oh merde. Ça va être dégueulasse. Voilà, la liaising. Mon dieu. Ah, et le jeu est bloqué à 62 FPS, ok. C'est ça que je croyais que c'était une cinématique, mais en fait non, le jeu est juste bridé à... 60 FPS. Ok. Si j'augmente ma souris, ça va être encore pire là. Je suis au minimum. Regarde, là, je vais... Là, je suis au maximum de ma souris et du jeu.
peu moins bien. Ah merde. Ah, ça va être dégueulasse. Ah mon dieu. C'était la bonne époque où je jouais justement avec une grosse sensi. Faire des trick shots, ouais. Mother, ici Vaudou. L'escorte est annulée. 2, 4, à pied. Compris. 1, 3, à pied aussi. On est bon. Putain, j'ai l'impression que c'est pas fluide en plus à cause des 60 FPS. Putain, je suis tellement habitué à mon luxe de... On va bientôt y aller. Si on continue à tirer d'ici, on va les voir fradiner bientôt. À mon luxe des 144 FPS. J'utilise pas plus de 2 cm de mon tapis pour faire tous les mouvements qu'il me faut, quoi. Ah ouais, le pauvre Choupinet va te faire foutre. Pour bien jouer, il faut des bonnes conditions. Comme pour tout. Si je l'ai vu dans ma vidéo, c'est que je l'ai sûrement trouvé quelque part sur internet ou bon, chipotant à gauche et à droite, mais ici il y a moyen de changer 2-3 paramètres. Mais à l'époque, faut savoir que je jouais avec une grosse sensi, donc la sensi du jeu ne me dérangeait pas. Maintenant que j'ai une sensi extrêmement basse, ouais, ça me dérange. C'est comme pour... GTA 4 par exemple, à l'époque ça ne me dérangeait absolument pas la façon dont le jeu gérait la sensibilité, parce que justement j'avais une sensi un peu plus élevée que maintenant. Avec une sensi très basse, en fait le jeu ne capte pas mes mouvements de souris sur GTA 4. Ici c'est justement trop élevé. Salut Gwikab. Ouais, ben, de toute façon il faut que je ferme le jeu pour changer ça. Ah putain. Ouais, putain. Bon. C'est déjà fait.
Ça va bien. Et merci Windows, casse les couilles tes petits sons à la con. Ça j'aime bien aussi les jeux où dans le menu des options tu peux aller dans certains points à un certain point, mais dans les paramètres du jeu tu peux aller encore plus bas, parce qu'ici je suis réglé au minimum, la sensibilité dans les fichiers est à 35. Je vais le mettre à 3. C'est la même chose en fait pour Spec Ops The Line, où la sensi quand tu la règles dans le jeu au minimum, elle est toujours 3 fois trop élevée. Tu vas dans les fichiers du jeu, et tu peux descendre jusqu'à 1. Alors que dans le menu du jeu, tu peux descendre, je sais pas, jusqu'à 30, ou comme ici, à 35, ou des trucs dans le genre. C'est... Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi les devs? Pourquoi vous faites ça? Dans certains jeux, les fichiers de certains paramètres graphiques du moteur ou des inputs sont disponibles. Ouais. Ça c'est trop bas par contre. Normalement, maintenant, quand je vais toucher à ça, ça va foutre la merde. Ah non. Bon, par contre, je suis allé trop bas. On va... un petit peu remonter. Parce que ça, après, c'est le problème. C'est que maintenant, il faut changer via les paramètres du fichier. Du coup, on sait pas trop où on en est. Mouse smoothing. Ouais, false. On va voir ce que ça donne. Ouais, le jeu a une sensi absolument pétée, donc on règle ça vite fait. Mais il faut fermer le jeu en fait.
Rabbit, sors vite! Sors du véhicule! Allez, à peu de choses près, on y est. S'il y a moyen de... Ça devrait déjà être mieux, hein. Sors du véhicule! Rapide, bouge! Moteur de Vaudou, notre statut. On est à 10 mètres derrière le lieu du crash. Il y en a un sur toi. Ouais, et comme... Si on continue à tirer d'ici, on va les voir fradiner bientôt. On arrive. Ok. Comme pour Spec Ops The Line, alors ils captent pas les mouvements un peu plus... Et le jeu n'est plus capturé du coup. Tout va bien, tout va très bien, tout va putain de bien les gars. J'aime bien. Bon, si là il le capte pas, on fera le bon vieux capture d'écran, ça marchera bien. Vous verrez juste que je dois activer Windows. Il y a du mieux, il y a du mieux. Bon, dites-moi si vous voyez que les images bougent ou pas. Il y a de l'accélération aussi.
Ah. Parfait. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionnera aussi pour Spec Ops The Line. Mais qu'il y a une de ces options là-dedans que j'avais pas trouvé pour Spec Ops. C'est des options, tu vois, qui sont laissées de base sur des jeux PC, enfin qui ont été portées sur PC, et qui n'ont aucun sens de se retrouver sur un PC. Voilà. Et bien entendu, on renomme le fichier vidéo d'intro en prout, histoire que le jeu ne le trouve pas. Ça, normalement, quand on lance le jeu, on est directement au menu. Ça marche bien. LOL. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste en fait que c'est des paramètres qui sont là en fait. Oh. C'est des paramètres qui sont là en fait pour l'utilisation des manettes. Mais généralement sur PC, sur un FPS, allez, on va dire plus ou moins compétitif, on n'utilise pas trop ce genre d'option. Même sur n'importe quel FPS sur PC, putain! Des options qui sont censées s'activer que quand tu actives la manette, et pas quand tu es à la souris. C'est censé simuler le joystick qui bouge petit à petit et pas une souris qui prend juste l'info que tu lui donnes. Bon, la sensi est quand même chelou. Mais c'est beaucoup plus mieux. C'est bon, vous avez des images qui bougent avec du son et tout. Pas te faire confiance.
Marrant parce que le mec était déjà mort avant qu'il jette sa grenade. Oui, il est mort. Tracasse. Tariq va devoir s'expliquer. On sécurise la zone, on se regroupe et ensuite on pensera à ça. Reçu. Porte. Mon gars, t'as tout ce qu'il faut. On est dehors. On monte l'allée. Amis en mouvement sur le balcon. Faut tout ravir. Attention, vous tirez. Ok, on arrive. Des munitions. S'occuper de ça silencieusement. Bah. Warfighter est sorti plus tard et sur une version améliorée du moteur, donc en soi, il tourne sûrement un peu mieux. Mais Warfighter, bon bah voilà, ils étaient forts de leurs expériences. Donc le jeu est un peu plus fini. Le monsieur, il continue à parler en anglais alors que le jeu est en français. Ouais, il y a des portes partout dans les maisons. Incroyable. Je veux que c'était Call of Duty là. C'est marrant les trucs dans ce style, le mec il tire au lance-roquette et après il disparaît. Alors qu'il aurait eu le temps de nous tuer 50 fois. Putain, t'arrives nous à piéger, moteur. Cette maison est un vrai guet-apens.
La maison, toute la ville est un guet-apens. On est là, on est en train d'inspecter. On recharge et on reste en alerte. Si Tarik est là, je le veux vivant. Allez, on bouge. Go économe. Et voilà. Mettez-vous à l'abri, personne n'a découvert. Ok, ok. Il sort. Non. J'y ai repensé en plus récemment. On perd pas de temps. J'ai compris, allez go. Ah non, je ne peux quand même. J'irais bien qu'on mettrait une muselière à Mister X pour qu'il ferme sa gueule, mais je crois que ça lui plairait en fait. C'est pas lui. Binary Domain. Ok, et maintenant ? Alors, je ne suis pas d'accord. On est sur place et aucune trace de Tarik. Je répète, pas de Tarik. Mother, t'as du bol. L'anglais voit avec un prédateur des hommes en mouvement vers Balaizar. C'était quoi encore le dialogue avec le... dans le bureau. Alors, je pense qu'il faudrait que... On descend. Mother, Jimmy, ils ont peut-être Tarik. Si jamais un jour je fais des rencontres abonnés... Alors, tu veux une bifle? Non? Sûr, t'en veux une? Ouais, ok. Le corps à corps était trop énorme. Pour s'accroupir ou se coucher par contre est sympa. Contact.
vigilant et faites gaffe à pas dormir. Vaudou de Mother, quel est votre statut? Mother, pas donc de tir sur la mitrailleuse. On est en route. Reçu. Mother, aucune trace de Derrick. Compris. On avance et on sort par le pot. Attention, vous tirez. Reçu. En plus, ce on jeu... Bien reçu. Attends, Ravid. Il est pas si mal, mais il me semble qu'il a pas vraiment bien marché. Là. Un petit peu aux lunettes. Je sais pas s'il était vendu que sur Steam. Non, avec Steam Charts, il y a moyen de voir comment il a été joué, s'il y a encore deux joueurs dessus. Il y a sûrement encore deux joueurs dessus. Donc, quoi que tu veux. Ouais non, le jeu a jamais fonctionné sur Steam. Oh mon dieu. Ça doit être un free weekend en août-septembre 2013. Alors un event avec un... youtubeur, un streamer, enfin bref. Donc en 2013, le jeu a atteint son pic avec 483 joueurs. Sinon, ça dépasse pas les 20 joueurs en multi. C'est... Ouais. Le jeu a très bien fonctionné. Même le solo. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait plus de monde sur... Enfin, je sais même pas s'il est vendu sur... Origin. Ouais, j'ai défaussé la porte. Puis j'ai défaussé. Non, je peux pas. Pio. Recharger en douceur.
Ouais, il bouge encore les yeux, ce con. Faites semblant d'être mort, hein? Tiens! Non, mais il va apprendre à conduire, regarde, on est tout le temps dans des camions, dans des voitures, tout ça. Ah merde, c'est pas pour le permis. Bref. Quel est votre statut? Tout va bien, on a le PC avec nous. Bien reçu. Vous avez réussi à ne pas tout détruire en vous retirant? On vous a en visuel. Ok, on vous couvre. Mahmoud. Mahmoud. Manan Aurora. T'es char anglais. T'as vu l'armite? Ouais. Je ne peux plus de cette merde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce sont les talibans. Ils ont des espions partout. Ils ont tout pris. Et on devrait aller, ouais. Saccagé. Petit, vous, trouvez-les. Trouvez-les et tuez-les tous. Connerie. Pourquoi le croire? Il nous a peut-être trahis. Pourquoi on te croirait? S'il vous plaît. J'ai une fille. Je veux qu'elle aille à l'école. Je veux qu'elle ait une vie normale. Est-ce que vous comprenez? Ok, je comprends. Où sont les ennemis? Sheikhot. Sheikhot? C'est quoi ça? C'est du pashto. Ça veut dire vallée des rois. Sheikhot. C'est où ça? Là. Nombreux? Nombreux. 500 soldats. Au moins. On va avoir du pain sur la planche. Bon là, en réalité, Ouais, Motherbase, on aimerait une frappe Jidam, s'il vous plaît, sur vos positions. Enfin, ils disent pas s'il vous plaît. Ouais, c'est mon rêve. Le mec il met un réveil à 19h, il se lève à 14h. Bref. Ouais, papa. Un peu rechargé par contre. Salut Abusator. Salut Stoka. Par contre le rechargement qui prend 2 ans quoi. On se moque pas, le jeu il a 9 ans quoi. Ouais, les textures sont assez plates. À l'époque, ils savaient comment faire en jeu. Oh. T'es sérieux? On
Ouais, mais c'était Far Cry New Dawn aussi. C'était une purge. C'était une purge. Ah, par contre, la sensi elle part en couille quand je suis en tir continu. C'est horizontal, ça va, mais vertical, elle. Bizarre. Ouais, je l'ai fini. En fait, c'était comme Rage 2, t'as une campagne de 10 minutes et tu dois grind pendant une heure pour avoir ton stuff, quoi. C'est. La seule et unique façon d'utiliser une batteuse, c'est d'appuyer sur le tir quand t'as 100 balles jusqu'à ce que t'en aies 0 dans le chargeur. Sinon ça sert à rien. J'ai changé mon PKM contre un PKM. Allez, babale. Ouais. Bill. Ah, ça me fait toujours caler dans les jeux où t'as une M4, une M14 ou tout ce que tu veux, on te donne 20 balles avec. À une batteuse, on te donne 1100 balles. Ouais, bah, sorti hier, ouais. Tiens, t'as un waifu pila? Tu me l'avais pas dit? Ugly 3-5, il a eu de la chance. C'est ça qu'on utilise une MG. Je crois qu'ils seraient tous couchés. Ah, putain! C'est quoi ce malade mental? J'ai besoin de grenades. The way it's meant to be used. Énorme. Le mec en plein territoire de guerre, il se balade avec son PKM. Lololol. J'adore. Le jeu qui se voulait être une semi-simulation de la situation des soldats en Afghanistan et tout ça. Non, je dénature pas du tout l'aspect original du jeu. Ouais.
Je crois que les gens sont surtout curieux de... Tiens, Medal of Honor, ça existe encore, ça? Non, Murdered, c'est... Non. Ouais, c'est immersif, on s'y croit. Hein. Je vais jouer à Arma 3, je vais faire la même. Allez, tu meurs. T'as vu que ça? Elle recule sur 20, mais c'est une batteuse, il y a, attends... C'est parce qu'on en a pas deux, hein, sinon il en a une dans chaque main. Hein. Son état naturel. This I can dispense 300 freedom a minute. Mais non, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai plus de 200 balles. Eh, mais mes alliés, t'as assez de munitions, tire! J'imagine trop les alliés, ils voient l'autre qui sort avec son PKM, tout le monde qui se couche. Bon, elle est arrivée. En plus, elle est parfaite parce qu'elle a tout juste la cadence de tir qu'il faut pour maintenir le clic pendant 10 secondes et nettoyer toute la zone. Oh oui, on va sortir. Bon, j'ai plus que 300 balles, les gars, ça va être short. Non, j'ai pas ce qu'il faut, donne-moi des balles! Donne-moi des balles! Donne-moi des balles, toi! Mais si, j'ai besoin de plus. Oh, le méchant. Alors, c'était comment l'Afghanistan? Oh, c'était sympa! Des balles. En plus, ce qui est sympa, c'est quand même un certain niveau de travers des balles. Ah ouais, il dort beaucoup là, les gens. Il peut plus faire que ça. Un allié, ça. Ah, les balles qui ricochent, j'avais pas capté. Ça va, ils font une grosse sieste. Donne-moi des balles. Laissez. Pour les tapettes! Aïe.
Ouais, c'est comme ça qu'ils avaient prévu qu'on joue à leur jeu. La batteuse a quand même ses limites. Ils veulent vraiment pas qu'on rentre. Merde, j'ai le sniper. Fusaine, on va à la porte. C'était mieux avant. Je crois que dans la 3 ou 4ème mission, on a eu une saut. Non, j'ai pas assez de balles. Une seconde. Allez, on fonce là. Tellement calé quoi. Les trois mecs, ouais, laissez-le rentrer. Jamais trop dur. Ouais, tente de se la péter, ouais. Mais lui, il a pas un RPK. Continuez à marquer la cible jusqu'à l'impact.
tranquille à côté. Ouais, non. Je suis pas assez loin pour ça. J'ai pas trop ça. Toi, tu vas prendre ça. J'ai des trucs de Kinder, mais pas de Kinder Surprise. J'ai déjà allumé la moitié de l'Afghanistan, tu vas pas me casser les couilles. Général Flag en vidéoconférence, colonel. Général, nous sommes opérationnels. Colonel, nous avons parcouru votre plan de bataille et nous sommes inquiets. Qu'est-ce qui vous inquiète? Les gars à l'anglais me disent qu'entre 100 et 30... Oh, vous avez un psychopathe. Se prépare à nous combattre. Sans parler de la probabilité de cibles prioritaires traversant la zone. S'ils passent au Pakistan... Nos mains sont liées. Ces chiffres sont faux, général. Nos renseignements signalent plus de rebelles. Peut-être plus de 1000. Telle est la situation. Il est encore plus urgent d'avancer. Nous voulons des unités d'infanterie dans 24 heures. Les équipes d'AFO type 1 sont en insertion dans la vallée, général. Ils ont déjà fourni de bons renseignements sur les positions ennemies dans les montagnes. Et c'est un début. Mais je veux la 10e Mojo, les Rangers et la 187e au combat au plus vite. Les AFO identifieraient et détruiraient les cibles ennemies avec des frappes aériennes. Ensuite, les troupes couperaient l'accès au Pakistan. Colonel, écoutez-moi bien. Je veux être très clair sur ce point. Vous avez 24 heures pour envoyer nos forces dans la vallée. 24 heures. C'est un ordre. C'est tout. Vous avez 24 heures. On en est où avec les AFO? Wolfpack devrait être en position dans l'heure. Il déboule dans la zone. Des boules? C'est exact. Wolfpack aime avancer vite. Battlefield 3 et 4. On pourrait les refaire en septembre. Bah, j'ai pas fait la campagne du nouveau Battlefield non plus. Avec... la technologie RTX par Nvidia. Ouais. Allez au boulot, Jules. On est prêt à y aller? On y va. Tariq dit que la traversée de Manjawar... Que je désactiverai de toute façon. La mission, c'est de rallier Clémentine. La route est chargée dans nos GPS. Apparemment, le terrain est accidenté. Alors soyez vigilants. Syndicate, ouais, on pourrait le refaire... Je veux être averti. Reçu. Reçu. Des questions, messieurs? Okay, que la après, je suis sûr, Syndicate, il a sûrement les mêmes problèmes que celui-ci. Ouais. Je pense pas qu'on pouvait le modifier, sinon. Amusez-vous bien. Un peu trop spécifique. Ah, pas assez. Si on veut que Dima. Il m'appelle Dulce. On a un boss.
Dans le 3 ou dans le 4? Je me rappelle même plus de la campagne du 3, bordel. Bon, du 4 non plus, cela dit. Le dernier Battlefield, celui qui est sorti récemment, c'est Battlefield 5. Il y avait aussi une campagne campagne solo. On est bon, sur le plancher. Non, si dans Battlefield 3, c'est celui où ça commence dans la Jeep. Ouais, il était sympa celui-là. Ok, donc le 5, j'ai pas fait la campagne, j'ai fait le 1 en vidéo d'ailleurs. J'ai pas fait le 5. Syndicate, ça remonte. Hein. Ça remonte très très loin. Dépêchez-vous, les camions traînaient pas. Sur les près du mur du complexe. On bouge. On s'en shot. Je suis toujours silencieux. Je suis l'ombre de la mort. Ah, de visage, ouais. Assert your dominance. Je te fais bannir. Tu parles le russe? Ah, le chef. Ami, ami. Ce sont des positions ennemies, il y a de quoi s'occuper. Jimmy de Panthère, changement de situation. L'ennemi a l'air d'être dans les montagnes, et il y en a encore un paquet. Reçu. Voilà, flag veut envoyer. Oups. A changé et la task force rebelle.
les Argans. Il ne veut que nos hommes sur le terrain. Alors qu'il écoute les hommes sur le terrain, il faut déjà trouver les ennemis pour les tuer. Ça fonctionne moins bien en sens inverse. Gagner du temps. Reçu, je vais essayer. On en est où? Encore des ennemis à tuer. Il y en avait plein les camions. On est là pour ça, non? Pas faux, on s'en va. Prenez cette radio. Reçu. On est bon. Dusty, Deuce, continuez votre chemin. Vous allez traverser Menjawar, vous aurez de la compagnie. Reçu. On prend la piste du haut, Vegas. Allez, je sais par où passer. Bon, est-ce que les balles partent tout droit ou... Calme, Dios, pas de précipitation. Ouais, moi stressé. En mouvement, il va falloir viser devant. Mais calme, voilà, arrête de bouger. Mais ça veut dire que le bout de bois s'est arrêté au biu-biu. Je crois pas qu'il y ait de bullet drop, mais la balle bouge un peu. Il disait qu'il y avait du. Ah merde, ouais, c'est vrai, il y a de l'indicateur de vent là. Je sais pas, bref. Ouais, il y a du vent, mais la balle ne tombe pas. Elle ne sent pas.
un camion. Et puis plusieurs cibles. On avance. Attends le bon moment, Dios. On attend qu'il se sépare. Ah, il est là le bon moment, non? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça va me faire un fail de mission? Ok, c'est un peu trop tranquille. Ah. Ça c'est scripté. On va les attaquer. Y'a pas de succès. Sur les vieux jeux comme ça, y a pas y a pas encore le système de succès. Je pense même pas qu'on peut lancer une grenade ici. Tiens, ils font vachement mal comparé à la mission précédente. Dios, je vais chercher une vue d'ensemble. Attends. On va commencer les grenades. Le mec, bon, lol, je l'y tire. Je crois que c'est... Enfin, cette zone spécifiquement, les ennemis, ils sont vachement castards, histoire justement de forcer la discrétion. Parce que quand tu meurs, en fait, t'as pas d'indicateur de feedback du fait que tu te prends des balles, c'est juste pouf, c'est comme si t'avais une rafale et que t'étais mort. Il a pris l'autre. Tu veux le planer, planer. Oh. Changement de chercheur.
corps de la compagnie, restez silencieux. Où est le corps Panther? Residius. Clear, boss. D'autres cibles. On pourra pas faire ça en silence. À toi. Comment ça, on les surprendra pas? Tu sais à qui tu parles? Toi, tu peux crever. Sympa les portes. Là-bas, histoire qu'on se perde pas dans le couloir. À pied. Jimmy, Panther, Wolfpack est en position. Le couvert est mis. On attend le début du repas. Bien reçu, Panther. La C-130 de Reaper 3-1 arrive dans 10 minutes. Contactez-le, la fréquence est sécurisée. Welcome, Jimmy. Quel est le statut de Neptune? Ils sont juste à côté du PO Dorothy. Reaper 3-1 va s'occuper de vos cibles, puis de celles de Neptune. Compris, Jimmy. On attend. Les 4 mecs qui vont tomber sur le pauvre berger avec ses 3 chèvres, y a rien de demandé. Bonne nuit.
statut, clear. Le mal de tête quand il va se réveiller. Radio. On y va. Jimmy, 2 kilomètres de Dorothy. Reçu, Mother. Faites-nous un rapport dès que vous pouvez. Mother, Panther, on a des... Arrête cette connerie! ...autour de votre PO. Le renseignement récent signale des ennemis dans votre secteur. Restez en alerte. On reste bien silencieux. Baudou, ouais. On prend notre ouverture au nord. À 12h. À couvert. Attendez qu'on soit en place. Bouge lentement. Voyons où ils vont. Ils restent. Foncez derrière, Rabbit. Rabbit, reste à couvert. Il m'a dit foncez derrière, faut savoir. T'as tué. 4 tués. 2 tués. 6 tués. En bas, en bas. On les bute. Les bombes, les bombes. Torche devant. Rabbit, négatif, c'est non. Tu vas griller le PO. Silence. On bouge. Baissez la tête. Voyons où ils s'en vont. À 6h. Feu de camp devant. Rabbit. Flanqué. 5 Mango. 6. Ils sont 6. Allons les descendre. Vaudou, pas de 60. C'est plus malin que ça. Encore un. 7. 7. RS. Ok, dégagez. Ceci n'était pas scripté. Allez, bis à toi. Le jeu n'a jamais été spécialement beau. C'est peut-être en 160p. Hein. On a une position de AAA en visuel sur notre position. Bah le problème en fait c'est les textures du sol qui sont assez assez dégueulasses en fait. Et ça casse tout le reste parce que les armes sont plutôt bien, les personnages sont plutôt bien. Enfin, du moins nos alliés, les ennemis ils sont aussi un peu... les textures sont un peu plates. C'est bien trop près. Bonne soirée Mister X, bon révisage. Contact à droite. Et oui, la prochaine. Bah, il est rigolo. C'est juste qu'il s'attendait à ce que ce soit... Amit, occupe-toi du canon. Quasi jeu de simulation. Mais... Amit, vas-y. Non. Un peu trop près, moi. Vite, t'es rigolo, hein, pour les... On y va. Ici Dolphy, Reaper 3-1, est en survol et est disponible pour 10 minutes. On ne se plaint pas. Amusez-vous bien. Ok, Reaper 3-1 est à nous pour 10 minutes. Allumez les flashs. Cool, Tariq disait vrai. L'endroit est infesté d'ennemis. Véhicule, en bas, à 10h. Reaper 3-1. On a un petit convoi de véhicules qui monte vers notre position. Hostile, a priori. Reacher, Vaudou, partez devant chercher des éclaireurs. Rabbit, on s'occupe des camions. Mother, Panther, mettez vos infrarouges. Les véhicules avec les flashs sont les cibles. Les flashs sont censés être les amis. On a dû improviser. Attention, je répète, ce sont les ennemis. Rabbit, sort de sous-flamme. Sol air dans les camions, les laissez pas passer. Ils ne passeront pas, Panther. Mother, les véhicules s'arrêtent, c'est le moment de tirer. Rabbit, marque les camions. Reaper 3-1 de Neptune 1, cible marquée. Reaper 3-1, on voit la marque, on tire.
Attention. Game over. Pas très précis. Hein. J'avais essayé la campagne de Armado. C'est un peu bugué. Arma 1, je veux aussi essayer, j'ai vite abandonné. Ça peut se faire, ouais. Elle bouge vraiment beaucoup, leur MK. À la vie, on mec. Retourne au boulot. Ouvrez l'œil. Truc entièrement inutile. Mouvement, 12 heures. Ça va pas le faire. C'est pas un chef. La porte, défonce là. Ok. Décor, putain. Eh bien, bonne soirée, Ermite. En tradition. Et à la prochaine. Contact. Il est mort. De toute façon. Moi, vers 20h30, un truc dans le genre, je vais couper. Il y a encore un camp. Travail. Comment notre imagerie rate ça? Elle peut pas tout voir, c'est pour ça qu'on est au sol. Allez, le rôti est de l'autre côté. Jimmy, on est presque au PO. On a un gros camp appuyé en visuel. D'un soldat, de l'artillerie anti-aérienne du sérieux. Reaper 3-1 peut encore s'en occuper. Attendez. Reaper 3-1 de Jimmy. Il a dit, je vais plus rester très longtemps, donc il y a peu de chances que je sois encore là. Reaper 3-1, on a besoin que vous repassiez. Neptune 1, laissez-nous 5 minutes. Vous aurez droit à un seul passage, il ne faut pas se louper. Le jour se lève et on risque de se faire canarder. Silence. Pas de tir avant le signal. Y'a des gardes qui vadrouillent. 6. 7. Ça fait beaucoup. Foncez derrière, Rabbit. Allez, maintenant, on nous met le didacticiel pour changer d'arme. Bah, je suis là, non? Hein? Y'a pas besoin de plus, gars.
comprends même pas que j'aille là. Non, ça c'est juste le dessus du truc fermé. Ouais. C'est derrière. Qui jette devant moi du con. Statue. On est bon. Dégagez. Pour le moment. Reaper 3-1, on a des cibles. Neptune reçu. Attention. À terre. Place, bande de bâtards. Reaper 3-1, Tango uniforme. Alertez-nous le prochain coup. Reçu. On voit plein de mouvements au sud-est de votre position. On va passer Neptune. J'ai toujours pas compris le fonce derrière. C'était nul. Couvrez-moi,
énorme. Vous pouvez rentrer maintenant. Vous êtes rouillé pour nous. Bien reçu, pareil. On rentre à la base. Ah, belle opération. Reaper 3-1, cap à 270 degrés. Reçu, Bagram, cap 270. L'avion s'est arrêté. Son script s'est fini, il a arrêté. Général, l'IFO Walfac rapporte 100% de cibles détruites. L'IFO Neptune accumule encore des cibles au sud de la baleine. Je ne vous avais pas dit d'envoyer des fantassins. Où en sont ces unités de baleine. J'attends les hélicos pour le transport, général. Les derniers arriveront à 8h au plus tard. Et en attendant... On est en train d'envoyer des Afghans au combat, général. On les appelle Task Force Rebelle. Bien. Nous apprécions le désir des Afghans d'aider, mais nous avons deux bataillons prêts à en découdre. Laissez-les participer au combat. Général, l'ANA est compétente. Les TF Rebelles connaissent... Ah, il est tellement à côté, lui, dans son voice acting. Ils sont encadrés par nos meilleurs sous-officiers des forces spéciales. C'est compris. Mais quand est-ce que nos gars vont arriver là-bas? Une fois les Chinooks ravitaillés et chargés, on pourra y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Colonel, on a perdu le contact avec Reaper 3-1, notre AC-130 en survol. Bagram, Reaper 3-1, reprise de contact. Ces véhicules sont à nous? Reaper 3-1, vous avez ce convoi de véhicules en visuel? Position 160959? Exact. Ami? Ils ne répondent pas à notre glint. Synchronisation des armes. On nous a signalé des embuscades ennemies dans la zone. Ils sont ennemis ou amis? C'est pas sûr. Et ils ne répondent pas à notre glint, à vous. Non, pas de glint. Et vous voyez des armes? Affirmatif. C'est une zone à haut risque, avec des véhicules non identifiés transportant des armes. On n'a pas d'identification positive. Reaper 3-1, vous êtes autorisé à tirer sur ces véhicules. Bagram, ici Code 01, en issue des tirs. Vous nous avez en visuel? Attention, attention! Bagram, on est approché! Nous demandons soutien immédiat. Non! Cessez le feu, c'est des amis! Yes. C'est Panthère, vous tirez sur le convoi des TF rebelles. Cessez le feu. Merde, on a des pertes. Faites-les dégager la ferme. Dégagez de là. Merde, où vont-ils? Merde. Anderson, William, montez dans le véhicule et ramenez-les. Colonel, on a perdu les TFR. Ils repartent à Gardez. Les Afghans sont anecdotiques, Drucker. Envoyez les Rangers dans la vallée. Les équipes d'AIFO ont détruit les cibles, il y aura presque plus de résistance. Général, les AIFO peuvent encore appeler des frappes aériennes. Envoyez les Rangers. C'est clair? Bien compris, général. La petite séquence de 3 secondes juste pour montrer le méchant général qui prend des décisions comme un con alors que lui, il est en sécurité dans sa tour d'ivoire. Je serai votre steward chef d'équipe aujourd'hui. On m'appelle premier arrivé, dernier parti. Au menu aujourd'hui, balle de 5,56. Et comme plat du jour, Taliban à volonté. Ah, en espérant que vous aimez manger étranger. Hernandez, prépare-toi à faire parler la poudre. Ouais, boum. Ah, fais chier, j'ai déjà vu ça. Prends ma place, soldat. Bagram de Gold Digger 01, on approche de la ZA4. Reçu, Gold Digger 01, allez-y. 200 pieds du sol, atterrissage proche. À quel moment? 5 secondes! On se concentre! Allez, au boulot! On fonce! Non. On bouge! Adam, par ici! Tu vois quoi? Ah! Ouais, je m'en rappelle à peine. On a déposé nos clients. C'est pas ici qu'on a la M240. Trois équipes de tireurs séparées de 30 mètres. La mission est de rallier BP Ginger. Attention, vous tirez. On ne tire que sur des combattants. C'était quoi? RPG. Allez, viens! Je m'en occupe! Go! Go! Patterson qui est arrivé! Les talibans nous font mal!
c'est vite parti en vrille. Tu voulais aller au combat? Eh ben t'es servi. C'est quoi le plan, sergent? Le premier peloton est complètement foutu. Vous passez, bravo 1. Reçu. On va aller jusqu'à cette colline, voir ce qui se passe. Vous allez les flanquer. Où est l'étaque? Juste là. D'accord, Ibarra, tu les accompagnes. Reçu. Déplacez-vous sur la hauteur, observez la situation et explosez-les avec un CAS. Bien reçu. Ne perdons pas plus de temps. Ouah, allons-y. Laissez baisser. Bougez, bougez. Adam, t'as couvert. Dépêche. Collez-vous au mur. On avance comme des cons. Par ici, par ici. Sergent, en haut, à gauche. Hé, attendez. C'est qui ça? Ils sont armés? C'est des talibans. Je les ai identifiés. Des talibans? À quoi tu vois ça? Ils se promènent. Taliban, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ils se promènent! Devant moi là. Toi, tu vas te prendre un petit coup de shotty. Voilà. Ça va? Comme ça. C'est parti. Animation de la ceinture d'Amo quand on la retire sans qu'elle... Doucement, y'a des talibans en haut à gauche. Fais gaffe. Contact. En haut dans les rochers. Merde, on est tous feu. Ils sont repris. Ils n'ont pas envie de traîner. Moi je les comprends hein. Je les vois. Prenez tout ça. Je tombe à 10h. Prenez ça pour des roches. Moi aussi, si j'étais haut, je me serais cassé. Serpent, il faut pas avancer. Ça tire à l'arme lourde depuis la colline. Il faut continuer. Ok, il faut trouver le canon. Clear. Dégagez. Ok, très clear. Y'a rien. Merde. On se regroupe. Okay. Ok. C'est pas fini. Y'a Ginger Pass à 2h. On va à gauche dans le village. Ça va mal tourner. Sois un peu positif, Hernandez. On peut toujours aller sur la droite, au Pakistan. On va y aller bien assez tôt. Pour l'instant, on va par là. Allez, on bouge. Merde, regardez ça. C'est pas bon. Ça va, Hernandez. Au moins, on va mieux s'en tirer que les Russes. Bravo M6, ici Bossman. Chasseur rapide en survol, prêt au combat à 20 000 pieds du sol pour 60 minutes. Je répète, pour 60 minutes. Disons que dans certains cas, le problème c'est au niveau de, du maillage de l'arme et la limitation de, des animations. Et de la façon dont ils ont pensé les armes à la base. Dans Stalker, il y a exactement le même problème pour l'AMG. Je crois qu'il y a, ils peuvent mettre un maillage limité ou un nombre d'animations limité, un nombre de bones limité. Donc c'est les différentes parties qui vont permettre de faire les animations. C'est bon, juste dégagé. Continuez d'avancer. On rentre à l'intérieur. 3, 2, 1. Contact! À gauche! À droite! Sinon, en général, les.
Pardon, les armes sont pas trop mal faites, hein. Moi ça m'arrange. Y'a plus rien. Ok, ce moi, prêt à y aller. La DK est encore active, on bouge. Checkez vos munitions, ça sera pas facile. Continuez d'avancer. À cause du FOV, on a l'impression de marcher à 2 km/h. Merde, il est bloqué. Allez, tu peux le faire. T'es un grand garçon. Voilà. Petit coup de couteau dans la nuque. Ça remet les idées en place. Gardez l'œil ouvert. Encore une porte, tous en position. Ouais. Pour tenir des jours. Super. Ouais, dans cette position, ce canon arrivera à descendre un Chinook. Il ne va pas s'arrêter tout seul. On va s'en charger. Allez, l'heure tourne. On y va. Hernandez, couvre nos arrières. Ok. DF-15, un appui aérien. Ibarra, demande un CAS. Bossman demande un CAS. Non. La cible est une position retranchée, occupée par une importante force ennemie avec des pièces anti-aériennes. Affirmatif, on a des amis à 150 mètres au sud. Compris, bravo Red Six, vous êtes danger close, vous allez devoir marquer la cible. Bien reçu, Bossman, attendez mon signal, bravo 1-6, terminé. On est dans la zone danger close, il faut qu'on signale la cible au fumigène rouge, ou on pourrait y passer. Ibarra, donne-moi le fumigène. La mitrailleuse est enfouie et bien gardée. Adams, tu vas arroser cette position avec ta M249 pour qu'on puisse envoyer le fumigène. Les F-15 finiront le boulot, tu fais feu sans t'arrêter, ok? Ok. C'est parti. Ça que j'ai signé. Contact! Elle tourne! J'ai pas de balles, ferme ta gueule! Baissez-vous, baissez la tête.
Cible éliminée. Putain, plus jamais je resterai aussi près. C'était trop cool. Bien joué, Adam. Ibarra, appelle le sergent Morgan. Et they did. Et neutralisé. Et qu'on continue vers Betty. C'est la nouvelle Zeta. Encore un kilomètre. Reçu. Bravo 6, ici bravo 1, 6. Dishka, ennemi éliminé. On est en route pour sécuriser une nouvelle Zeta, l'objectif Betty. Reçu, l'état des blessés est stationnaire, mais il nous allume au mortier. Dishka, c'est pas un truc anti-aérien. Décasser la Zeta pour évacuer les blessés, on y va. Reçu, on s'en charge. Leur état est stable, mais il faut qu'on y aille. Ok, vous l'avez entendu, c'est parti. Vérifiez vos armes, cette poussière est collante. D'accord, on approche ces villages, les forces sont arrivées. Restez en alerte et tenez vous prêts. On surveille tout. À mon top, Hernandez passe en tête. On va jusqu'à se rocher, à 2 heures. Allez, Ibarra, reste collé au mur. Adam, attends, écoute. Bah en fait, quand on demande aux alliés, ils nous ordonnent et... Comme pour la RPK, on peut en avoir... 1000. Plus ce qu'on a dans le chargeur. 1200. Ébloui par ma magnificence. Contact à droite, Ibarra, reste collé au mur, attention au bord. Ils courent, descendez-le. Je les vois. Le shot qui a buté le mec qui sortait la dernière seconde. Il se replie. Merde. Vous arrêtez pas. Cherchez dans les rochers. Avance, Adams. Deux autres. À 12h. Tout en bas. Là, dans le chantier de chef, à 1h. Je recharge. Ouvrez-moi. Là, c'est dangereux de tirer sur les alliés. You don't say. Ok, on les a eus. On continue à faire mouvement vers la Zeta. Adam, avec moi. Plus de gaz qu'il était censé y avoir dans toute la vallée. Et ouais, pour ces gars, on est presque arrivé. Notre mission, c'est sécuriser la Zeta pour évacuer les blessés. S'ils nous cherchent, on s'occupera d'eux. Mais pas de chasse à l'homme. On reste en alerte. Ibarra couvre nos arrières. Ça fait mal les textures de la skybox. On commence par cette petite hutte. On a besoin d'un appui aérien. C'est toi la petite hutte. Les nobles sont en survol. On va pas crier au loup. On demandera un CAS le moment venu. Il y aura qu'à me dire. Ok, on se regroupe vers cette hutte. Ils étaient là. Et attention. Ouais. Ça, je me rappelle que c'était passage assez tendu. Adam, ouvre la couverture. Adam, ouvre la couverture.
mec il glisse. Ouvre-moi, Adam ! Ouais mais tu le dis pas à l'avance, moi je recharge là. Contact à 12 heures. C'est bien décollé. Lève à gauche. Y'a une bombe, les gars. Mais qu'est-ce que c'est dans le gaz. Merde. On peut s'occuper d'eux, éliminez-les. Allez Adam, tu vois le bouger. C'est plus couvert. Adam, prends ton rue. Allez Adam. Couvre-toi avec ta hutte, Adam. N'empêche, c'est embuscade pour buter 4 péons, quoi. C'est un des trucs le plus énervant dans n'importe quel jeu, c'est quand même la première balle de ton arme, quand tu bouges pas, t'es couché, t'as un bipied, tout ce que tu veux, les premières balles elles partent pas droit. Tu sais, tu peux tirer au coup par coup, tu vois la balle qui part à gauche, à droite. Assez généreuse. Tu vas où, Adam? Attends la hutte. Tu vas te faire flinguer là-bas. Il se refait. À 3 heures, éliminez-les à 3. Arrête. Il se flotte derrière le véhicule. Adam, allume le Sega. À 12 heures. Véhicule en haut à gauche. Reste dans la hutte, Adam. Merde. Véhicule piégé. On a y a plus personne et c'est le moment où t'entends le plus les bruits de tir. Bravo 6, bravo 1, 6, on est pris en embuscade, tous encerclés, on est pas qu'un trait de munition. Il faut des renforts, envoyez du monde, vite. On a un bravo 1, 6, c'est le plus longtemps possible, j'envoie une escouade. Il y a des ennemis à 3 heures. Ouais, c'est ça. Ibarra, restez mon sang, on est foutus.
Bravo 1-6. Rappelez vos hommes. On va pas s'en sortir. On a plus de munitions et l'ennemi se rapproche. Ils sont 30 à 40. Et bonne chance. Ça y est, on a plus de munitions. J'en ai encore 600, casse pas les couilles. C'est clair. Je couvre à gauche. Regarde là, il y a un mec à 2 mètres, il a une Akia, il a sûrement un ou deux chargeurs avec lui. C'était quoi ça ? Merde à terre ! Salut Mikey. Ouais, cassez-vous, mode de tapette. C'est vrai qu'elle est sympa cette mission. Pendant 5 minutes, t'es là. Oui, la fin est encore plus débile que je ne le pensais, quoi. Oh Le mec derrière. Toutes les balles. Mais ouais, mais Far Cry New Dawn, bordel de merde. T'as 15 heures de farm pour te faire ton équipement. Enfin, 10-15. Oh, j'ai buté tout le monde, attends. Et après la campagne principale, t'en as pour 2 heures à nouveau. C'est avancer dans le piège des sœurs. Ok. Oh, c'était un piège. Ok. Avancer dans le deuxième piège des sœurs. Oh, c'est un piège. Oh non, Rush est mort. Ah bah mince alors. Avancer dans le troisième piège des sœurs. Oh, c'était un piège. Piéger les sœurs. Oh, elles sont parties. Allez, à New Eden. Ah, tout le monde est mort. Et puis, tu vides 5 chargeurs dans les deux connasses. Et puis, elles sont mortes. Et quand elles sont mortes... Enfin, non, allez, il y en a une qui est morte. L'autre qui est en train de crever, mais elle te dit « Ouais, mais tu peux, ne pas me tuer... » Non, crève. Puis tu vas voir papa machin avec fiston bidule. Le fiston qui est pas content, alors il mange la pomme. Et puis en fait il est corrompu. Et alors tu le tues. Et alors le papounet il est triste. Et il dit « Oh, tue-moi !» Bien sûr. Non mais franchement Far Cry New Dawn, c'est... Enfin, l'histoire a été écrite par un gamin de 10 ans. Le jeu d'acte, enfin le voice acting de la VF, c'est monstrueusement dégueulasse. Attendez, c'est une calasse des boss, il s'est armé. Oui, il fait de semblant qu'il est énorme. Enfin, c'est les personnages, ils sont même les alliés, ils sont tous débiles. Il y a juste le petit. Le système commande d'expédition que j'ai trouvé assez sympa. Mais tout le reste, c'est bon acheté quoi. Système de niveau des ennemis, le système de déblocage des armes. C'est aussi absolument débile. Le combat de boss. Mon dieu, je préférais quand c'était juste une cinématique, parce que là, le combat de boss, c'est juste... Franchement, c'est MG42, tu vides un chargeur dans une pute pour qu'elle crève. Même chose pour l'autre. Les ennemis... Oh lol, on est méchants.
Ah non, tu nous as battus. Oh là là, je re-questionne, je remets en question mes choix de vie. Oh, mais j'étais une mauvaise personne. Oh là là. Mais c'était fun. Ok, ben crève. Non, mais il est vachement résistant, votre putain de mortier, là. Ah merde, c'est vrai, il y en a trois. Ouais. Faut pas dézoomer. Que ça, moi. C'est quoi? Voilà, les gens racontent qu'ils ont fait des jeux bien, mais... Ah ouais, une roquette là, je fais clic droit, il me dit hors de portée. Sur 20h30. Hein. Dites-moi si jamais le... Si jamais OBS a perdu la vidéo, dites-le moi. J'ai activé la synchro, mais en fait, faudra sûrement que je descende à 60 FPS avec Riva Tuner. Je vais la fumée dans l'œil. De 60 FPS. Bon bah, bonne nuit Nero. Et ouais. De toute façon, ici, je vais en rester là. Faudra sûrement que je relance le jeu en bloquant le FPS à 60 ou un truc dans le genre pour passer cette section. Le script a dû foirer. Donc voilà. C'est mort. Bah, du coup, la fin de ce stream. J'espère que ça vous aura plu.
Et on se retrouve demain. J'essaierai d'installer Warfighter histoire de suivre directement avec. Bien sûr, ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine.